There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. There's no one. Et salut à tous, c'est Under Excel. Aujourd'hui on se retrouve encore pour du The Refuge. Donc j'ai pas mal taffé encore une fois. Donc j'ai fait les Copper Seeds. Du Copper, ce sera plus intéressant car il est World Bag. J'ai pas vraiment bossé sur tout ça. Là ça a pas vraiment avancé. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière au dernier épisode, j'ai travaillé pour automatiser ça. On va regarder, c'est parfait. Il n'y a pas encore de sludge. Donc je rêve. Non, il me faut le hammer. Attendez, le hammer il se fabrique pas l'heure. Le hammer ici, le precision hammer. Il faut 3 de plastique. Le plastique, j'ai du roplastique, je dois traîner. Je n'ai pas mis mon roplastique ici. Ah bah non, c'est vrai. Hop. Attendez, le roplastique. Non, normalement ça se craft en... Ah non, 4. Ah bah voilà. Comme je pensais que ça se craftait différemment. Donc il me faut un petit peu de bois. Il faut faire attention parce que ça va me donner un effet de poison. Et je vais vous montrer vite fait le système. Donc c'est ici. On a le harvester qui fonctionne avec le furnace générateur que j'ai redéplacé de l'autre côté. D'accord. Il y a un qui bug. Donc je l'ai redéplacé. Il donne de l'énergie directement au harvester, qui lui, donc il fait son boulot le harvester, sans souci, et il donne aussi de l'énergie avec, enfin, au sludge boiler. Donc les câbles là, en fait, j'ai juste été les récupérer dehors, parce que dehors il y a des câbles au plafond, enfin, dehors, on se comprend, juste là il y avait des câbles au plafond d'ailleurs, il en reste encore, je vais peut-être aller les récupérer un de ces quatre, ainsi que ce qu'il y a là sur le toit, c'est obligatoire ça. Mes ressources d'énergie, c'est obligatoire. J'avais dit qu'il me fallait du bois. Attendez, j'ai entendu un drôle de bruit. Comme un coffre qui s'ouvrait. Je sais pas, peut-être que je suis parano, mais... Bon, ça je vais récupérer parce que... La nourriture c'est précieux, ça aussi. Attendez. Où aurais-je mis du bois? Au pire avec ça, normalement on s'est recrafté un bloc, mais il m'en faut 2 de blocs. Ah! Ça c'est le souci. Hein. Je vais faire sécher ça parce que je cours dans tous les sens mais je fais pas ce que j'ai besoin de faire. Hop, on fait sécher ça. Voilà, comme ça il nous en reste quand même un petit peu à côté. Attendez. Est-ce que... Ah non, ça m'étonnerait que 2 types de bois puissent s'allier. Ah ben non, attendez, c'est vrai que... Mais oui, voilà. Bien, Axel. Je sais que je l'ai, hein, c'est ça le pire, mais... Et que j'ai des items dedans, mais à chaque fois j'oublie. Et je sais déjà plus pourquoi je voulais... Attendez, j'ai complètement oublié ce que je voulais faire. Il me fallait du bois pour faire quoi? Ah oui, c'est bon. Pour faire le Precision Hammer. Donc ça se craft comme ceci. On a... 4 feuilles de plastique et hop, un precision hammer. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça que ça me récoltait. Ah ben, je pense que je vais plutôt le déménager ici au milieu. Ah, c'est bon. Je suis passé au bon moment. Donc, clairement, ça je vais le déménager, je vais le mettre au milieu. C'est juste moi qui ai encore fait une bêtise, que j'ai fait une upgrade un peu trop haute.
ça augmente le raid juste de 7. Ah oui, c'est 7 comme ça, 7 comme ça. Ah oui, donc je peux le mettre carrément ici au milieu. Donc ouais, non, là il y aura plus de soucis. C'est ça qui m'a récolté du copper. Ah ouais. Je comprends mieux. Donc comme vous pouvez voir, bah, ça produit plat. Enfin, ça produit vraiment pas mal. Je pense que je vais faire plusieurs petits systèmes comme ceci. Au niveau des essences of coal, bah, c'est juste exagéré. Et là, je peux déjà refaire quelque chose. Je pense que je vais faire des items conduite tender IO. Et ici, je vais mettre un petit crafter. Le crafter qui va réinjecter ici dedans. Comme ça, il se sera toujours chargé en charbon. D'ailleurs, je vais en recrafter comme ça. Je peux continuer à travailler tranquillement. D'ailleurs, c'est comme ça. Voilà. Et ouais, non, c'est juste exagéré la production de charbon que j'ai. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est déménager le petit système ici. Que je vais juste le bouger là. Et on se retrouve tout de suite après. Ah, ça y est. Il m'a créé quelque chose. Bon, je déménage tout. Et re tout le monde, donc voilà, j'ai déménagé la petite machine. Donc maintenant qu'on prend le Precision Hammer, on voit qu'il prend bien toute la surface. Donc je pourrais à la fois récolter le gold, le copper et le tin en même temps. Ce sera beaucoup moins de boulot pour moi. À terme, pendant que je me prends encore un effet de poison, à terme je vais faire une... Enfin ici ce sera une grande pièce juste bourrée de machines partout quoi. Quand j'aurai assez de production d'énergie, ce sera une grande pièce bourrée d'énergie partout. Et de machines partout. Chacun aura son petit champ, des crafters dans tous les sens. Enfin, j'ai déjà mon petit projet, quoi. Et tout sera renvoyé ici, comme ça. J'aurai plus besoin d'aller par là, sauf si jamais je veux rajouter une plante ou autre chose. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, bah, vu qu'on a pas mal de ressources disponible, c'est qu'on va commencer à faire le auto everything, ce qui va être pas trop mal. Le fisher, donc on va commencer par là, hein. On va faire un truc assez simple. Le fisher qui se craft, ouais, j'ai dit assez simple, mais bon, c'est pas encore la mer à boire. Donc on va commencer à faire le fisher. Quoique, on va regarder s'il n'y a pas encore plus simple. Auto grinder. Non, un grinder à mob, non. Vétérinary, non. Auto breeder. Auto planter. Ça, j'en aurais quand même pas besoin. Non, on va faire un auto fisher aujourd'hui. Comme ça, au moins, on aura une petite ressource en poisson. C'est pas trop mal. En plus, c'est une bonne source. Une bonne source de nourriture, surtout pour moi actuellement qui doit toujours chercher de la nouvelle nourriture dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher de la ficelle qui se trouve par ici, parce que de la ficelle forcément il y en a pas dans les coffres de l'autre côté. S'il y en a dans mon sac, je pète un câble, parce que chaque semaine c'est pareil. Non, il y en a pas dans mon sac, ça va. Pas besoin de péter un câble aujourd'hui. À force de courir partout, je perds tellement de bouffe. Voilà, ici j'ai de la ficelle. Comme ça, on a déjà la canne à pêche. Ce que je vais faire, c'est faire cuire aussi un petit peu de plastique pour obtenir un peu de plastique sheet en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est 8, ouais 8 c'est bon. Hop, pendant ce temps là mes patates sont cuites, merci. Ah non, j'espère qu'il va me la prendre le craft, parce que s'il me la prend pas avec la durabilité, je pète un câble aussi. Il me faut 2 buckets, ça je les ai. Il me faut du tin, donc ça normalement il est censé en récolter tout seul du tin. Oui, parfait. Hop, comme ceci, je sens que je vais vite passer à l'upgrade du coffre, parce que c'est pas que ça se remplit vite, hein, mais c'est tout comme. Ce que je fais, ouais, je pense bien que je vais faire une upgrade pour le coffre. Ce que je vais faire, c'est sûrement un coffre en iron pour commencer. Ce serait déjà pas trop mal. Peut-être faire un deuxième four, parce que là, si à chaque fois je dois m'amuser
Attendre, mon tablette. Ma souris, elle déconne par moment, je sais pas ce qu'elle a. Vous voyez? Ah, voilà. Hop. On va en faire 3, de toute façon, c'est pas... C'est pas le charbon qui va nous manquer actuellement. Hop. Bon. Hop. Je vais rager. Voilà, comme ceci. J'en ai crafté. Ouh, j'en ai crafté. J'ai eu un bug là. Je sais pas combien j'en ai crafté, mais je pense pas avoir crafté le bon nombre. Bon, tant pis. Hop, un nouveau four ici. En attendant que tout ça cuise, on va déjà préparer pour les tin gear. Même, attendez. On peut déjà faire ça. Il nous en faut 2. Voilà, il nous faut 2 de ça et je tape à chaque fois à côté. Hop. Ensuite, il faut une tin gear qui se craft. Hop. Voilà, les machine frames, c'est le plus long à crafter, il me semble. Hop, donc machine frame, il me faut au corps. Donc il me faut la tin gear, du fer. Hop. Et est-ce que j'ai... Ah ouais, bien sûr. Il me faut du verre. Et c'est le truc que... J'ai dépensé la dernière fois comme un... Nijo. Et le sludge boiler m'a pas fait de sable. C'est génial. Je vais aller en chercher tout de suite. Comme ça, on pourra continuer ce fisher. Et re tout le monde. Donc voilà, j'ai été chercher du sable. Pas mal de temps s'est passé entre le moment où j'ai été chercher du sable. Bien sûr, j'ai mis dans le four où il n'y avait rien. Hop, il n'y a rien non plus. Là, il y a quelque chose. Donc j'ai été chercher du sable, comme je vous disais. Et il vient de m'en produire un. Je vais le faire cuire aussi, vu que le verre, j'en ai pas mal besoin. Ça a pas mal tourné. C'est encore plus que tout à l'heure. Bon, là, le sludge, ça va pour l'instant. Lui, à ce niveau-là, bon, ça va, le charbon, il cuit bien. Et regardez ce que j'ai eu, la Diamond Seed. Enfin, j'ai eu cette seed. Elle est hyper longue à avoir, il faut faire un croisement entre de l'or et de la redstone. Le diamant, d'office. Parce que ça, le diamant, c'est sûr que j'en aurai besoin. Ce que je vais faire aussi, que j'ai pas encore fait, que j'ai dit que j'allais faire, c'est... mettre l'upgrade au coffre pour avoir un coffre en fer, même si je peux déjà faire des coffres encore plus haut, il me semble. Le coffre en gold que je peux aller, donc je peux enfin faire la machine frame. Donc ici ça se craft machine frame, bucket bucket, plastic sheet, plastic sheet. Ils sont bien mis, oui. Hop, j'espère qu'il va me le prendre. Franchement, s'il est à cause de la durabilité, il me le prend pas. Iron, iron, et il me faut faire encore une petite pièce ici, qui est comme ça, donc de la redstone et du gold. Je suis censé encore en avoir. Bon, j'ai encore de la redstone, mais j'ai plus de gold. On a la machine qui récolte pour nous maintenant, donc ça, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est une deuxième table de craft, parce qu'à chaque fois... je me prends dessus. Hop. Bien sûr. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est déjà le troisième épisode que je tourne de suite. Parce que c'est plus facile pour moi comme ça. Voilà, on va mettre ici. Et cet épisode-ci, je pense que ça va être le dernier que je tourne. Parce que c'est plus possible. Hop, voilà. Comme ceci. On a 10 d'iron. De gold. Par contre, plutôt au lieu de le mettre là, plutôt ici, comme ça j'ai aussi accès au coffre. Ce sera mieux. J'ai même encore de quoi crafter un peu de gold. Voilà. Qu'on va faire cuire. Et pendant ce temps-là, je peux faire ceci, comme ceci. Hop, voilà. Et maintenant, on va voir s'il nous prend le craft.
Et non, parce que la canne à pêche a été utilisée, j'en suis sûr. Ouais, il faut une canne à pêche non utilisée, donc je vais rechercher de la ficelle. À tout de suite. Et re tout le monde, donc j'ai enfin, pendant que ma souris bug encore, j'ai enfin eu la canne à pêche. Je vous jure, c'est la pitchée pour avoir une canne à pêche, quoi. Alors, usage 20 RF. Oh, ça va. Je sais pas comment ça fonctionne. Bon, on va déjà valider la quête. Donc, c'était dans Auto Everything. Pourquoi il m'ouvre toujours celui-là? Je ne sais pas. Pick one, je vais prendre lui. Et pourquoi il a coupé le son, je ne sais pas non plus. Et on va faire tout de suite cuire le poisson. Donc je vais essayer de le faire fonctionner. Je sais franchement pas comment ça peut fonctionner ce truc-là. Pour le prochain épisode, j'essaierai de vous le faire fonctionner. L'Enderman qui vient chez moi au calme. Pour le prochain épisode, j'essaie de le faire fonctionner, comme je disais. Et comme ça, ben, au moins on pourra un peu progresser tranquillement. Aujourd'hui, bah, on aura fait pas mal de... Enfin, surtout du craft qu'on a fait et un peu d'automatisation. Mais pour la semaine prochaine, j'automatiserai tout ça de l'autre côté. Le Fisher, il sera automatisé de l'autre côté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut tout le monde!